On va s'arrêter. Ah, arrête. Ah, ah, j'ai un peu peur. Hey, coucou mes petits palmiers. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeier. Un bisou. Hier. Oh, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. En plus aujourd'hui, on va retrouver la nonne. Vous savez, nonne Nebeur, le nouveau jeu. Oh, je suis tellement contente parce que ma précédente vidéo sur nonne Nebeur vous a beaucoup plu. Donc moi, ça me fait super plaisir parce que c'est un nouveau jeu et il y a des missions et tout. Donc on doit aller dans la maison d'une nonne, trouver des objets, faire des missions et tout sans se faire attraper par la nonne petite copeade. Donc ça mélange un petit peu Evilonune et le Nebeur. Et moi, j'ai adoré ce jeu, donc je suis super contente que ça vous ait plu aussi. Oh, en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne Nadège Candel, qui font partie de la team Palmeier. Merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour. Vous êtes tellement nombreux chaque jour. Merci à du fond de mon petit cœur qui fait beboum beboum. Si vous venez d'arriver ici, bienvenue. Il y a deux vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Et pour ne rien rater, être parmi les premiers à venir les voir, eh bien abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge ainsi que sur la cloche en activant bien toutes les notifications. Et voilà. Ah, allez, on va dans l'espace gaming pour commencer le jeu. Ouais. Oh, wow, ça y est, on est l'espace gaming. Avant de commencer, tout d'abord, un énorme merci à tous les membres de la super team palmeier. Et deuxièmement, ça va être un tout nouveau format de vidéo. J'ai vu ça sur la chaîne de Max et ça m'a beaucoup plu. Donc j'avais envie d'essayer moi aussi. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible, voire pas du tout. Comme ça, vous allez voir le jeu en même temps que moi, en temps réel. Comme si vous étiez avec moi, voilà, pas le droit de se tromper. Et puis vous vivez l'aventure avec moi, comme si vous étiez à côté de moi pendant le tournage, quoi, voilà. Donc regardez bien cette vidéo et dites-moi à la fin si ce nouveau format vous plaît. Bah ouais. Le jeu se passe sur téléphone, c'est gratuit, iOS ou Android. Lâche ton énorme pouce bleu et c'est parti. Je rappelle que le logo ressemble à ceci. Oh, elle est vilaine. Bon, nous voici dans l'écran d'accueil. Donc, c'est elle, hein. Je vous présente la nonne d'Evilonune. Enfin, non, de nonne Nebeur, pardon. Et, écoutez, démarrer jeu. Et la dernière fois, on était à la mission Treva. Je sais pas si on l'avait faite et on l'avait ratée, ou si on avait juste fait la 1 et la 2. Attendez, je clique, on va voir ça. Ça charge. Et en fait, chaque mission, c'est différent. Et on nous explique ce qu'il faut faire. On a des objets cutifs à remplir. Et on peut aussi manger des aliments comme des pizzas, des hamburgers et tout, pour nous redonner de la force. Parce que quand on court, on perd de la force. Alors, on doit éteindre les caméras. Ah, ça c'est nouveau. Alors, faut trouver les pinces et couper l'électricité. Donc, regardez comme c'est joli. C'est vraiment très bien fait. Ça fait peur un peu. Je vous laisse un peu l'ambiance et la musique. Écoutez, regardez. Oh. Oh, 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 ça fait peur. Et en plus, quand on marche, ça fait boum, boum. Boum, ça fait trop peur. Donc, comme c'est une nonne, elle habite dans une église. Et à côté d'une église, il y a un cimetière. Donc ça fait peur. Regardez, j'ai du poulet. Hop là, un morceau de poulet. Parce que quand on court, regardez, on perd. Attendez, non, ça c'est sauter. Ah, regardez, il y a une barre blanche et qui diminue. Et quand je mange le poulet, hop, voilà. Donc ça c'est cool. Vous avez pas vu la touche où j'ai touché pour manger le poulet? Parce que c'est sous ma tête là où je suis actuellement. Ah, ouais, faut bien que je me mette quelque part. Alors, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a aussi un petit peu lent, la flèche verte. Oui, il y a des petits palmiers qui m'ont dit que c'était vert comme le palmier. Bien vu, bravo. La flèche verte, c'est moi. Et la nonne, elle est rouge. Oh, on peut voir qu'elle est dans la maison d'ailleurs. Alors, attendez. Je vais observer ici. Bonjour. Alors, faut savoir qu'elle est vraiment méchante. Comme il n'y a pas de difficulté, enfin, on peut pas choisir la... Ah, elle est par là-bas. Comme on peut pas choisir la difficulté, elle est un petit peu difficile, quoi. Vous voyez, alors, il faut explorer, trouver une paire de pinces. Alors, peut-être que c'est derrière cette porte. Et du coup, il faut d'abord trouver une collée. Alors, on court un peu, voilà. Alors, si j'arrête de courir, bien sûr,
la barre se recharge toute seule. Alors je pense que l'électricité c'est là, d'accord? Mais il faut d'abord trouver la pince. Alors on va voir dans l'église, par ici. Là on est dans l'église. Alors, est-ce que la pince ne serait pas ici? Non, je ne crois pas. Alors, on va remonter dans la maison. Et je pense que la pince se trouve dans la maison. On dit la pince ou les... Ah! Elle a ouvert ça! Oh là! Je voulais la suivre. Bon, bah tant pis. Attendez, on va se dépêcher pour se faufiler par ici. Comme un petit faufilet. On ouvre ceci. Oh oui, il y a un étage et tout. Bon, alors attendez. Oh, du feu romuage. J'adore le feu romuage. Je suis pas une... Elle m'a vu. Ah! Cette musique, ça veut dire qu'elle m'a vu. Oh non! Je suis coincée. Bonjour. Elle a des yeux un petit peu globuleux. Allez, c'est pas grave. On redémarre. C'est parti. Alors, il y a un petit peu de chargement. Bonjour. Ça y est. Alors, on y va. Je ne sais pas où peuvent être les pinces. J'ai pas d'idée. Alors, c'est pas grave. On va continuer, pardon, à explorer la maison. Et on va aller à l'étage. Parce que peut-être qu'à l'étage, il y a quelque chose. Allez, c'est parti. On peut sauter. J'adore sauter. Bon, on n'est pas là pour s'amuser, hein, ni faire du cirque. On est là pour trouver une paire de pinces. Oh, des pinces. Une pince. Je sais pas. Ça va être la vidéo de leur autographe. On dit... Des pinces ou... C'est comme les ciseaux, faut dire les ciseaux, ça je sais, mais les pinces je sais pas. Normalement on dit les pinces, mais bon. C'est pas grave. Allez, je prends la pizza. Je vais rentrer par ici. Je vais aller à l'étage, doucement, discrètement. Vous voyez, hein, les méchants, elles nous voient vraiment facilement. Allez, oui, on est à l'étage. Alors, par ici c'est deux bebards. On n'a pas envie d'aller deux bebards. Je vois une pièce là avec du poulet. Attendez, on prend déjà le poulet. Oh, une télé. Oh, bon. C'est pas grave, y a pas la pince. Par ici, y a rien. Là-bas, y a du hamburger. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Un bout de gruyère. Intéressant. J'adore le gruyère. Mais je cherche une queue ou des pinces. Regardez, tout ça, c'est son petit balcon. Eh bien. Ah! On va courir quand même là. Mère, si on descend par la mer aussi. Mange, mange, mange. Voilà, j'ai mangé. Hop, on va sortir. Ah, ah. Mais elle court vite, elle est méchante. Oh, elle est vraiment méchante parce qu'elle est très rapide. Et en fait, elle est foulala, elle nous attrape facilement. En gros, une fois qu'elle nous a vus, c'est très difficile. Par contre, je crois qu'on peut se cacher. Et si on se cache... Bah, elle nous voit plus, même si elle nous voyait pendant qu'on se cachait. Donc, je pense que c'est la stratégie adaptée. On va essayer. Alors, clairement, il n'y a pas de pince dans cette maison-là. On va retourner dans sa maison à elle, mais en passant par le cimetière. Attendez, il y a une maison là, je vais voir si je peux pas y aller. Hop là! Ah, j'ai épuisé toute ma queue ours. Alors, est-ce que je peux aller dans cette maison? Non, non, on peut pas aller dans toutes les maisons, non. Non. Allez, on y va. On va explorer le cimetière parce que peut-être que la pince se trouve quelque part ici. Parce que tout est possible, vu que j'ai jamais fait cette mission. Oh, bah ouais. Allez. Ah, elle met ses sacs poubelles ici. D'accord, sympathique. On met pas des poubelles dans des cimetières. Elle est vraiment méchante, cette nonne. Oh, j'ai jamais vu une nonne aussi méchante que ceci. Bon, bah, c'est pas dans le cimetière, clairement. Hein. Allez, je cours. Et on va faire le tour. Bah, je cours pour faire le... Ah, saute, j'étais coincée. Allez, 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 dépêche-toi. Comme ceci. Cours, cours. J'aime bien dire cours à mon personnage. Ça fait pas courir plus vite. Mais moi, ça me motive. Hop là. Youpi, cours. Oui, oui, oui. Oh, il n'y a plus d'énergie. Boui, boui, boui. Allez. Hop là. Passe par ici. On va prendre l'escalier. Allez, voilà. Par ici. Bah, il peut pas sauter. Ah si, il peut le petit coquinou. Allez, on y va. On passe par ici. Bah. Elle va venir, j'ai peur. Passe par là. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Faut pas qu'elle nous voit. Oh non, mission, on a déjà été, y'a rien. Attendez.
On prend la pizza par ici. Hein ? Pourquoi il y a une flèche bleue là-bas sur le pelan ? C'est peut-être là qu'il faut aller. Alors attendez, je récupère tout ce que je peux récupérer et je retourne par là-bas. Bah ! T'as la pièce de sécurité. On va aller voir si c'est pas là-dedans. Parce qu'on l'a déverrouillé. Voilà ! Bon, on a au moins récupéré un hamburger. Alors. Ah non ! C'est une flèche qui nous dit qu'on peut monter. Alors c'est pas grave. Bah ! Elle nous a vu. Cours ! Cours ! Allez, regardez, je vais vous montrer. Et là, je me cache. Sous le lit ! Voilà ! Je suis caché ! Bah, elle court ! Voilà ! Tu m'as pas vu ! Elle passe à travers les murs. Très bien, hein ? Très bien, très bien, de mieux en mieux. Moi, si vous voulez, si c'est une nonne petite copéade qui a des pouvoirs magiques, moi, j'y suis pour rien, hein ! Je peux pas non plus être plus forte qu'elle. Alors, Paris ! Bah ! Cours ! Va te cacher sous le lit ! Hop ! Elle est vraiment nulle, elle me voit rentrer dans une pièce, je disparais et... Non mais va-t'en ! Arrête ! Elle me marche dessus ! Personne ne marche sur Nadège comme elle. Bon, et où cette pince ? Faut que je trouve une pince ou une quelée, quelque chose. Je vais retourner en haut, parce que j'ai pas fini d'explorer en haut. Allez, monte, monte, monte. Par ceci, par cela. Où est-ce que j'ai pas regardé ? Dans ce petit balcon là. Ah mais c'est quoi ce bouton? Ah, c'était un bug. J'aime beaucoup les bugs. Alors par ici, c'est quoi? Bah encore à manger. Pizza, merci. On re-rentre par ici. Bah, la porte. Oh, les portes ont la fâcheuse idée de vous cogner. Bah, elle arrive. Moi je vais me mettre ici. Et je vais me mettre proche du lit. Parce que si elle me voit, T'es là ou pas? Elle est où? Elle est pas là? J'ai cru qu'elle était montée. Bah! Elle est là-dedans! Bah! Yeah! Attendez, elle est où? Arrête de jouer à chat! Elle est là ou pas? Ou elle est en BA? J'ai un peu peur! On va rentrer dans cette pièce. Mais non, elle est pas là! Et je me suis fait peur toute seule! Oh, moi alors! Est-ce qu'on peut sauter par ici? Ah oui! Oh, mais j'ai fait le boum, mais j'ai réussi! Ah! Bon, elle est où cette maudite quelée? Faut que je trouve une quelée. Oh non! Ouvre-moi ceci! Alors, peut-être que c'est pas du tout dans sa maison, mais ça me semble bizarre quand même. Là, c'est encore le petit poulet. Un hamburger. Bon, on va explorer mieux que ça dans les gueulises. Alors, par ici, il n'y a rien. Là. Ah! Elle est là! On va re-rentrer, hein, merci, salut, bye. Oh, j'espère qu'elle ne m'a pas vu. On va passer par ici. Ouvre-moi ceci, mange un peu. J'en profite, j'ai de la nourriture. Là, on peut pas ouvrir les tiroirs. J'ai oublié de vous dire. Bah, il a mangé maintenant. Cranc, cranc, cranc. Ah, rigolo. Alors, par ici, y a rien. Là, c'est un burger. Là, y a rien. Oh, mais c'est où? Oh là là, c'est bien caché cette fois-ci. Bon, je vais quand même... Ah! Dépêche-toi, cours! Cours pour ta vie! Mange, cours, cours et mange. Par là, y'a rien. J'en profite pour... Ah! Dans la petite chapelle! Mange! Ah, j'ai plus rien à manger. Bah, y'a plus la musique, ça veut dire qu'elle m'a laissé tranquille. Alors, on prend un petit hamburger. Et on continue d'explorer. C'est vraiment un jeu d'exploration, trouver les objets, tout ci, tout ça. 3 hours later. Bon, je sens que ça va être un peu de temps, donc je vous retrouve quand j'ai trouvé un objet. Non. 3 hours later. Ah, bon, après cette coupe exceptionnelle, parce que bon, je vous ai dit que je faisais pas beaucoup de coupes, vous avez vu, j'ai trouvé la quelée. Ça y est, j'ai la quelée, elle était à l'extérieur en face de la porte de sécurité. Maintenant, je vais me dépêcher, ouvrir le cas de Noah, ouvrir la porte, normalement, il y a les pinces. Ouais. J'ai les passes. Maintenant, il faut que je retourne dans la pièce là-bas pour couper l'électricité. Allez, et on coupe. Mais si, mais c'est ça. Oui, attendez. Voilà, comme ceci. C'est où? Comment on fait? Voilà, là. Hop. J'ai coupé. J'ai coupé. Ah, la mission est complète. Ah, ouais, on a réussi la mission. On continue. Oh,
bon, c'était pas facile parce qu'il faut vraiment regarder par tout parce que ça peut être caché de voir ou dedans la maison, enfin l'église, enfin elle habite là quoi. Ah, alors la religieuse tient sûrement son journal, trouvez-le et apportez-le à votre domicile pour l'étudier. Ah, alors mon domicile, c'est ça. Vous voyez, c'est cette maison là. Un peu comme dans Hello Neighbor, on a notre maison et en... Bah ouvre-toi. Voilà, on a d'ailleurs un petit hamburger que je récupère. Et en face de notre maison, on a... La maison de la nonne. Bah oui, bah voilà. Oh, pardon. Mais c'était une tentative d'intimidation de la nonne. Ça t'a fait pas retire? T'as aimé mon rototo? Elle bouge plus. Elle est coincée. C'est embêtant parce que nous, on doit aller là-bas. Ah, voilà, va-t'en. Bah, comment elle marche? Elle fait pas des mouvements de jambes, elle est toute raide. Oh, elle est rigolote. Allez, on court un petit peu. Et bah son journal, il est sûrement chez elle, hein, à l'intérieur, cette fois. Bah, parce que c'est là où on cache un journal intime. D'ailleurs, on va essayer d'aller dans sa chambre, parce que c'est peut-être là-dedans qu'il y a son journal. Oh, mais je me demande ce que veut bien écrire une nonne petite copelade dans son journal intime. J'espère qu'on va le savoir. Allez, il faut trouver le journal secret. Oui, je sais, d'habitude les journaux intimes, faut pas les voler et tout. Mais là, c'est une nonne psychopathe et on en a besoin pour étudier son cas, pour pouvoir lui échapper, la neutraliser. Ah, elle arrive. Je vais aller à l'étage finalement. Oh, mais je te cours, faut pas qu'elle te voie. Ah, elle m'a vu. Oh non, non. Eh bien, vous savez quoi? Hop là, je saute par là. Alors, est-ce qu'il serait pas ici? Non. On va aller voir par ici, dans sa chambre. Là, non, non. Ici, non. Ah, elle arrive. Ah, elle m'a attrapé. Oh, le stress, à chaque fois qu'elle m'attrape, ça fait boum boum dans mon cœur. Oh, ça me gratte à l'œil, attendez. Oh, oui, oh oui. Oh, j'adore me gratter les yeux. Allez, on va se dépêcher. On va courir par là avant qu'elle arrive. Comme ça, on gagne un peu de temps. Merci. Voilà. Vous voyez, elle est là encore chez elle, et nous, on est là. Comme ça, on peut passer vite fait dans sa maison. Alors, stratégiquement, je crois qu'il faut d'abord chercher en haut. Comme ça, on élimine l'étage, on n'a plus besoin d'y retourner. Alors, on se dépêche. J'ai rien à manger, c'est ça aussi le problème. Je crois que la astuce, c'est de toujours avoir un aliment, enfin, au moins 3, pour pouvoir recharger son énergie. Mais... voilà, nous on s'est dépêché, on va vite aller par là. Bon, je regarde quand même ici, mais non, allez, on va aller en haut, on va se tenir à mon petit pelan. Alors, à l'étage, ici il y a une pièce. Hop là. Alors, ah, une collée. Alors déjà, on a récupéré une collée. Maintenant, je pense qu'il faut chercher une pièce avec un cadenas. Alors, je récupère déjà à manger et on va chercher une pièce verrouillée. Alors, ça peut être comme là, parce que là, je vois pas de verrou. Alors, où est-ce qu'on va aller? Parce que je crois qu'elle est pas loin. Attendez. Ah, cours! Saute! C'est bon. Alors là, on lui a échappé. Oh là 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 là! Elle est énervée quand ça se passe comme ceci. Bon, nous, on va retourner par là. Attendez, j'espère qu'elle va pas venir par là. Non, c'est bon. Elle a pas eu l'idée de faire le tour. Bah nous, oui. Alors, on passe par là. Ah, elle est là. Oh, mais si, elle a eu l'idée. Mange. Mange, cours. Fais le tour, dépêche-toi. Mange, cours. Encore. Cours. Allez, maintenant, je peux plus courir et j'ai plus d'aliments. Oh, la musique s'arrête. Quand la musique s'arrête, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle vous a lâché les baskets. Alors, on va explorer, il reste plus qu'en bas en fait. Il faut juste trouver maintenant une porte verrouillée avec un cadenas. Alors, on y va par ici. On rentre chez elle par là. Merci, dépêche-toi. Allez, ouvre-moi cette porte-tounette. Récupère-moi ce petit hamburger. Hop là. Alors, cadenas. Non, il n'y a pas de cadenas ici. On va passer par ici. J'espère ne pas tomber nez à nez avec elle. Hein. Ça, c'est à chaque fois quelque chose qui me fait peur. Ici. Ah, c'est là, regardez. Hop là. Merci. Son journal. Je l'ai. Maintenant, faut s'enfuir. Faut s'enfuir par tous les moyens. Vite. Écoutez, je vais pas retirer. Par là-bas. J'espère qu'elle est pas là. Non, elle est pas là. Allez, on y va. On court. Mange, cours, dépêche-toi. Oui, va chez toi, c'est en face, allez. Oui,
question du jour. Super. Est-ce qu'on en fait une autre? Allez, une dernière, mais si on meurt, on arrête. C'est le petit challenge qu'on se lance maintenant pour terminer. Alors, dépêche-toi, charge-moi la mission. Allez, allez, allez. On n'a pas que ça à piche. Alors, qu'est-ce que c'est la mission, dites-moi? En étudiant le journal, vous avez trouvé un chèque à l'achat d'un coffre-fort. Trouvez un endroit où il se trouve. Oh là! Faut trouver un coffre-fort maintenant. Bon, c'est pas grave. On va chercher ceci. Elle est où? Elle est là. Vite, passe par là. En fait, elle démarre souvent ici. Donc, il faut vite courir par là pour avoir un petit peu d'avance sur elle et passer à l'intérieur de chez elle. Allez, cours-moi un petit peu comme ceci. Bon, pardon, hein, j'ai des routes auto, mais c'est parce qu'elle m'a donné des émotions en m'attrapant tout à l'heure. Oh, pas facile, facile. Allez, où est-ce qu'elle peut bien mettre son coffre-fort? J'en ai pas la moindre idée, mais je pense qu'il faut encore trouver une collée. Parce qu'elle va pas mettre son coffre-fort dans une pièce ouverte comme ceci. Allez, on va explorer tous les entre-bois. Ici, y'a rien. Par là-bas, où c'était fermé. Là, y'a rien. Oh, du poulet, merci, par ici. Une télé, un bout de fromage. Y'a rien par ici. Par ici. Rien. Là-bas, c'est pour aller à l'église. On va aller à l'étage alors. Ça doit être un étage. Oh, une pideuse, là. Merci. Allez, on va aller à l'étage. Par ici. Je vais quand même aller voir ici. Non, là, c'est... Ah, j'ai la quelle. J'ai la quelle. Donc, il faut juste trouver maintenant une porte qui est verrouillée, quoi. Alors, porte verrouillée, où est-ce que tu peux... Ah, là-bas. Ouais, mes petits palmiers, aurait-on réussi cette nouvelle mission du premier coup? Coffre-fort. J'ai le coffre-fort. J'ai réussi ou pas? Il y a toujours le suspense. Ouais! Oh, il nous fait peur, il nous fait peur. Ouf! Oh, super! Yeah! On a réussi, aujourd'hui mieux que la dernière fois. On a fait 3 missions de la nonne Nebehour. Et bien écoutez-moi, ça m'a beaucoup plu. Dites-moi 2 choses dans les commentaires. Premièrement, si vous voulez qu'on continue l'aventure nonne Nebehour. Et deuxièmement, si vous aimez ce nouveau format de vidéo plus brut, moins coupé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bien sûr, si ça vous a plu, laissez un max de pouces bleus. Et bien sûr, abonnez-vous et partagez cette vidéo à moins l'un de vos amis pour faire grandir la team Palmeyer. Merci! Ah, bisous, mes petits palmiers! Mouah, mouah! Maman!